m'appelle Bruno Tirel, j'ai rejoint l'école CEPROC il y a maintenant une année. J'arrive de l'étranger, d'Asie, du Sud-Est, où j'ai travaillé en enseignant cuisine pendant une quinzaine d'années aux Philippines, après avoir passé par d'autres pays, notamment au Moyen-Orient, les Émirats, les États-Unis, l'Afrique un petit peu et évidemment l'Europe. Ce qui fait que j'ai une expérience relativement globale de ce qui se passe en cuisine dans des établissements internationaux tels que Accor et Méridien. J'ai connu Biocop Process et donc les équipements en chambre froide de CEPROC. Auparavant, je n'avais pas été confronté à cet équipement. C'est vraiment ici que j'ai rencontré ça. Nous avons les filtres stabilisateurs Biocold dans les chambres froides en cuisine, que ce soit ici ou au sous-sol, toutes les chambres froides en sont équipées. Les améliorations que nous avons constatées grâce à ces filtres stabilisateurs sont en premier lieu l'hygiène générale de la chambre froide, plus de moisissures ou beaucoup moins, et puis évidemment l'humidité qui est donc beaucoup moins présente. On a aussi les odeurs qui ont disparu ou presque disparu en une chambre froide qui en termes d'odeur est neutre. On peut ajouter que le gain de temps constaté sur l'entretien de la chambre froide, les clayettes, les parois, est vraiment amélioré puisque on n'a plus tous ces développements de moisissures qu'on peut constater habituellement sur une chambre froide qui n'est pas entretenue régulièrement. Nous avons bien sûr intégré ce processus de conservation avec nos élèves dans nos formations puisque nous, enseignants, nous devons transmettre à nos élèves les paramètres, les processus qui permettent d'améliorer le travail. Et on a constaté que c'était le cas. Bien entendu, on transmet ça aux élèves qui eux-mêmes peuvent faire la différence avec ce qu'ils ont comme expérience en entreprise.